votre attention pour vous distraire ou vous informer, en usant de la technique la plus perfide et la plus sincère qui soit, l'interview. Le public, aujourd'hui, est habitué à entendre l'écho lointain des colères ou des fusillades du monde. La prouesse donc ne surprend plus personne, seul compte, à présent, le procès instantané, brutal ou subtil d'un héros de l'actualité, soumis à la question par un autre homme. L'interview. Le public, aujourd'hui, est habitué à entendre les coups lointains, des colères ou des fusillades du monde. L'interview.